Je m'appelle Benjamin Coriat, je suis prof à l'université et chercheur. Et depuis, oui, environ une vingtaine d'années, je travaille sur la question des communs. Peut-être d'ailleurs, ce n'est pas inintéressant de dire que ce qui m'a amené aux communs, c'est des recherches que j'ai menées au début des années 2000 hein, sur les problèmes de propriété intellectuelle sur les médicaments. Et voilà, je voulais qu'on sorte de 0-1, c'est-à-dire 100% de propriété intellectuelle, zéro propriété intellectuelle, parce que c'était un enfermement complet, en particulier pour les patients. Et les communs, ça permettait de penser différemment ces questions-là. Et puis, j'ai trouvé le sujet tellement passionnant que j'y suis resté, j'y suis encore. On va dire trois choses. Bon, d'abord, mes travaux sur les communs, qui avaient commencé, d'ailleurs, comme je l'ai indiqué, par des travaux sur la santé, les médicaments et l'accès aux soins, hein, la grande question sur laquelle je travaillais, puisque c'était l'époque de l'épidémie du sida, de la grande épidémie du sida, malheureusement, elle n'est pas finie, c'était le problème de l'accès aux soins des plus pauvres, qui en étaient exclus, hein, compte tenu du prix des molécules, des conditions thérapeutiques de suivi, etc. Et donc, c'est cette question d'accès qui m'a intéressé spécialement. Or, les communs, c'est justement d'abord garantir l'accès, et l'accès autant que possible universel, chaque fois que c'est possible. Voilà, donc il y a ça. Après, pour ceux qui connaissent les communs et tout ça, ça marche très bien les communs dans des petites unités, hein, une pêcherie, une forêt, etc. On voit bien là, hein, des collectifs prennent soin de la ressource, vivent de la ressource, mais la protègent. Bon. Pour des grandes unités, ça devient plus compliqué. Et pourtant, je reste persuadé que l'approche par les communs est pertinente. Et donc, je m'intéressais à comment aborder la question de l'hôpital comme commun et plus généralement la question de la santé comme bien commun. Et puis, Fabienne Orsi, qui est quelqu'un avec qui je travaille depuis des années, y compris d'ailleurs sur ces sujets, a initié un petit collectif de réflexion sur les problèmes de santé. C'est elle qui a initié ça. Évidemment, très naturellement, je l'ai rejoint. Et comme dans ce collectif, on avait à la fois toutes sortes d'associations professionnelles, comité interurgence, comité interhôpital, balai masque, bon bref, plus des chercheurs hein, de divers, hein, eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait une qualité assez rare hein, de compétences, de savoir-faire, d'intérêt, de dévouement. Voilà, et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Moi, je m'attends à ce que les dégâts soient bien plus importants que ce qu'on en dit. Alors on se gargarise en disant oui, la reprise, elle est de 6% supérieure à ce qu'on espérait, etc. Mais à partir de quoi? À partir de quoi? Bon. Donc voilà, je pense qu'on va rentrer dans une période d'inventaire hein, où on va découvrir des dégâts très importants. Alors, je ne veux pas le dire comme ça, mais quand même, il y a aussi les profiteurs, hein. Il y a ceux, je ne veux pas dire les profiteurs de guerre, parce que ce n'est pas le cas. Mais cette crise, elle a bénéficié de manière insensée à un certain nombre d'acteurs. Hein. Les gens du numérique, les gens de la grande distribution, la pharmacie, le bricolage, etc., qui ont fait des profits atomiques, mais atomiques, qu'ils n'ont jamais fait depuis la guerre. Bon, et on ne dit rien. Je veux dire, quand on dit qu'il faudrait peut-être leur prendre un peu pour redistribuer à ceux qui n'ont plus rien, on dit « Ah non, mais vous n'y pensez pas, on n'est pas dans une économie de réquisition, etc. » Voilà, donc, je veux dire, et ça, ça va se savoir. Je veux dire, vous lisez les Échos, hein, je suis économiste, moi, donc je lis les Échos, le journal de Bernard Arnault.
Ben, ils n'arrêtent pas de faire des éditos dithyrambiques, quoi. Le CAC 40 bat tous les records, record de distribution de dividendes. C'est indécent. C'est indécent. Voilà, voilà où on est. Alors, on fait que découvrir tout ça. Énormément de choses. Le problème, c'est d'être assez nombreux et d'avoir le rapport de force pour le faire. Mais dans beaucoup de domaines, ce sont, je ne vais pas dire la solution, parce que bon, mais des éléments importants de la solution. Pourquoi ? Parce que les communs, c'est trois choses. Hein. En vérité, c'est trois choses. Les communs, c'est l'accès, y compris pour les plus défavorisés, sur tous les biens essentiels. C'est des formes de gouvernance qui garantissent de la démocratie et de l'expression non seulement des citoyens, mais des principaux intéressés et des plus faibles parmi les intéressés, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent, j'ai envie de dire, défendre leur bout de gras. L'accès et la démocratie, c'est la même chose. Si les plus démunis, les plus défavorisés ne sont pas dans la gouvernance, ils vont être éjectés de l'accès. Hein ? Bon. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose des communs, c'est le caractère hors commerce. Hein ? À partir du moment où on a un bien commun, l'eau, en Italie, je ne sais pas quoi, la santé, il est hors commerce. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des transactions marchandes quelque part pour assumer les coûts, mais ça veut dire que tout le dispositif, il est fait pour que l'accès soit assuré. Et pour que l'accès soit assuré, il faut que le bien, dans son ensemble, il soit hors commerce. Même si les coûts doivent être couverts, pour partie par l'impôt, pour partie par des prélèvements sociaux, pour partie par le prix des transactions. C'est pas pareil, la gratuité est hors commerce. Mais c'est pas pareil de dire, à l'hôpital, vous donnez votre carte bleue avant de rentrer, pour sinon on ne vous soigne pas, c'est les États-Unis, ou vous donnez votre carte vitale. Et avec ça, on vit ça. Donc, l'hôpital, il est hors commerce, pour le moment, en France. Voilà. Donc, c'est ces trois choses-là. Et je pense que dans beaucoup de domaines, hein, l'alimentation, la santé, l'éducation, bon, etc., l'habitat, il faut que ça devienne des biens communs, des grands biens communs. Je répète, hein, ce n'est pas la gratuité, hein, mais il faut qu'il y ait un système dans lequel, y compris et surtout les plus démunis, aient accès et aient moyen de défendre ce droit à l'accès. Donc, les communs comme tels sont un élément très important de la solution. Alors, moi, je ne suis pas dogmatique, hein, je ne remplace pas la nationalisation par les communs, le secteur public par les communs, etc. Non, ça ne sera pas comme ça. On va rentrer dans des sociétés complexes où il y aura du secteur public classique, où il y aura du marché classique et où il y aura des communs. Ben, il faut faire avec l'hôpital comme à Naples, on a fait avec l'eau, hein. Il faut le transformer en bien commun. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire les trois choses que je disais tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut garantir l'accès, y compris aux plus démunis. Ça n'est réalisé que partiellement. Hein. C'est réalisé grâce à la carte vitale, grâce à ceux qui bénéficient d'un système de protection sociale, etc. Mais il y a des trous dans la raquette. Hein. Il y a des gens qui ont perdu leurs droits, etc. Donc, il faut déjà veiller à ça. Deuxièmement, et peut-être le plus important, c'est de changer la gouvernance de l'hôpital. Hein. Il faut arrêter ce face-à-face entre une bureaucratie armée de tableaux Excel qui compte quels sont les actes qui sont rentables, lesquels ne sont pas rentables à cause de la tarification à l'acte, etc., qui fait une pression terrible sur les soignants, qui les empêche de soigner, dans beaucoup de cas, comme ils voudraient, parce qu'il y a des actes qui ne sont pas rémunérés, et donc on les incite fortement à ne pas les exercer, y compris d'ailleurs parler avec le patient. Ce n'est pas rémunéré, ça. C'est du temps perdu. C'est une folie furieuse, ce truc. C'est une folie furieuse. Bon, les trois quarts des affections, il faut parler avec le patient. Il faut prendre le temps, il faut comprendre, il faut le rassurer, il faut l'aider, il faut lui donner les moyens lui-même de lutter contre la maladie. Le type qui passe comme ça, trois minutes, et qui dit « oui, oui, très bien, oui, bon, ben, alors vous augmentez tel comprimé, oui, voilà, supprimez-lui cette perte », c'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Et les soignants en souffrent.
ils ne peuvent pas exercer leur métier. Bon, donc, d'ailleurs, juste par parenthèse, mais c'est ce qu'on dit dans le livre, ils remontent du terrain que si, contre le moment fort de l'épidémie du Covid, on a pu sauver des gens, c'est parce que les soignants ont, passez-moi l'expression, envoyé balader la bureaucratie en leur disant « Allez, maintenant, allez jouer, hein, et vous nous laissez travailler. » Et la bureaucratie était tellement démunie qu'elle a dit « Oui, oui, allez-y, allez-y. » Moi, j'ai des copains à l'hôpital qui disent « C'était invraisemblable. » On leur disait « On ne veut plus vous voir, hein, mais par contre, il nous faut 3 respirateurs, 5 bouteilles d'oxygène et vous nous libérez telle salle parce qu'on va installer des lits. » Et il disait « Quand ?» Il disait « Demain matin. » Il dit « On arrivait le lendemain matin, on l'avait. » Alors qu'avant, on demandait ça, 6 mois plus tard, on n'avait aucune nouvelle. Bon, c'est comme ça qu'on a soigné contre le Covid. Bon, donc il faut rétablir ce pouvoir des soignants. Ça, c'est fondamental. Bon, donc 1, l'accès. 2, le pouvoir des soignants. Et 3, il faut casser l'hôpital forteresse, l'hôpital replié sur lui-même, pour ne rien dire de l'hôpital dans lequel on ne fait que passer, hein. Priorité à l'ambulatoire, hein, l'hôpital flux. Non, c'est un hôpital sans hospitalité. C'est ça qu'on a aujourd'hui. Bon. Donc il faut rétablir l'hospitalité. Et puis, il faut que l'hôpital s'ouvre et qu'il aille vers la ville. Hein. On a ce qu'on appelle, dans notre livre, là, on a ce qu'on appelle aller vers. Hein, un hôpital fait pour aller vers, c'est-à-dire un hôpital qui est présent dans les quartiers, dans les cités, à travers des équipes mobiles, à travers des points de contact, etc. Il faut casser l'hôpital forteresse comme on l'a fabriqué, et l'hôpital flux, parce que l'hôpital forteresse et l'hôpital flux, c'est la même chose. Il faut que l'hôpital soit un lieu d'hospitalité et qu'il offre son hospitalité au-delà de lui-même, dans la ville. Voilà, ça c'est la troisième chose. C'est ça un commun. C'est ça un commun. Thank you.